Les vacances touchent à leur fin pour les people et il est temps de préparer la rentrée. Une candidate de maman et célèbre a donc retrouvé sa ville dans la soirée de samedi, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et le pire a même été frôlé. En story Snapchat, sous le choc, elle a raconté avoir été victime d'un accident de voiture avec ses enfants à bord. Il vient de se passer un truc de fou. Si est ainsi quoi commencer une story Snapchat, il arrive à nous dérossier en. La candidate de télé-réalité, au casting de Maman et célèbre sur TFX, a partagé des nouvelles inquiétantes dans la soirée de samedi soir. Alors qu'elle était au départ très heureuse et apparaissait enjouée tandis qu'elle rentrait en avion vers Dubaï où elle est installée depuis quelques années avec sa famille, un sacré événement s'est produit. Lequel aurait pu très mal finir. Pour regagner son domicile, il arrive Anderossi et An, son mari Giovanni Bonami et leurs deux enfants Milo, 3 ans, et Matteo, bientôt 2 ans, étaient obligés de prendre un taxi. Et sur la route, ils ont été victimes d'un accident. La jolie blonde s'est filmée juste après les faits, encore très choquée par ce qu'il venait de se produire. On est dans le taxi pour rentrer à Dubaï parce qu'on a atterri à Abu Dhabi. Et là, notre taxi vient d'avoir un accident. On a eu un accident. La voiture de derrière nous est rentrée dedans, a-t-elle raconté, les yeux écarquillés et scrutant tout ce qui se passait autour d'elle tandis que le véhicule était à l'arrêt et que le chauffeur constatait les dégâts. On a eu trop peur. On a failli rentrer dans le camion de devant. Si est-ce celle de derrière qui nous est rentrée dedans, a-t-elle ajouté, précisant ensuite qu'elle et sa famille se trouvaient au milieu d'une autoroute. Leur taxi leur a ensuite fait savoir que les dégâts étaient moindres, ce qui leur a permis de repartir mais pas tellement serein. Fort heureusement, aucun blessé n'a été déploré. Mais, même une fois rentrée chez elle, il arrive Anderossi et en était encore très perturbée. Comme vous pouvez le voir, nous sommes bien rentrés à la maison. On a eu une petite péripétie sur l'autoroute. Plus de peur que de mal, mais beaucoup de peur. Ça a été un choc assez brutal. Mais, on n'a rien donc tout va bien, a-t-elle néanmoins relativisé, rappelant à sa communauté de bien faire attention avec des enfants à bord d'une voiture.